alors que Benjamin Castaldi a décidé de quitter Touche pas à mon poste. Sur C8 pour se concentrer sur d'autres projets, CST autour d'Aurore, son épouse, de se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles. Sujet que le principal intéressé a évoqué via ses réseaux et qui en a certainement surpris plus d'un. Voilà plusieurs décennies que Benjamin Castaldi s'illustre à la télévision. Après avoir assuré l'animation de multiples émissions à succès, notamment Lost Story, M6, et Secret Story, TF1, le fils de Catherine Allégret a rebondi sur C8 en tant que chroniqueur. Un temps confronté à des problèmes financiers, l'ex-mari de Flavie Flamand a depuis remonté la pente grâce à sa moitié Aurore Allemand. Fous amoureux et complémentaires, les tourtereaux se sont bien trouvés. Dès la rentrée, Benjamin Castaldi va pleinement se focaliser sur son projet de pièce de théâtre aux côtés d'Emmanuel et de Mathilde Seigné. L'œuvre baptisée Bungalow 21 racontera l'histoire de ses célèbres grands-parents, Simone Signoret et Yves Montand. Choix qui l'a motivé à quitter Touche pas à mon poste. Quant à son épouse, elle n'est pas en reste. Celle qui a longtemps géré les castings de différents programmes d'Endemol a décidé de s'éloigner de ce milieu pour se lancer dans une toute autre carrière. Le 13 juillet 2023, Aurore Allemand a expliqué à sa communauté qu'elle exerçait à présent en tant que sophrologue et numérologue. De plus, l'heureuse maman de 3 enfants va utiliser son nom de jeune fille pour sa nouvelle profession. Partez à la découverte de vous-même à travers vos nombres, peut-on lire en légende de l'un de ses posts. Pour rappel, la sophrologie combine des techniques de relaxation, de visualisation positive et de respiration qui permettraient d'avoir un bon équilibre entre le corps, le mental et les émotions. Quant à la numérologie, elle permettrait d'étudier les nombres qui régissent la vie des uns et des autres. Cette discipline livrerait également diverses informations sur le caractère de chacun ou encore l'avenir. Découvrez votre triangle fondamental. Vos dons, talents, objectifs de vie à travers la numérologie stratégique, un outil puissant d'aider à la décision ainsi qu'un rendez-vous unique et extraordinaire avec vous-même, a souligné Aurore Allemand. Nul doute qu'elle en dira davantage sur le sujet dans les semaines à venir. Une maman comblée en attendant, place aux vacances. Et elles ont plutôt bien commencé pour la belle-fille de Jean-Pierre Castaldi. Le 4 juillet dernier, la principale concernée a appris que Louise, l'une de ses filles, avait décroché son baccalauréat. Comblée, Aurore Allemand a bien évidemment immortalisé cette dernière sur ses réseaux sociaux pour partager l'heureuse nouvelle avec ses abonnés. Merveilleuse bachelière et son meilleur ami, avait-elle glissé en évoquant son fils cadet Gabriel qui lui tenait la main. Une réussite qui a fait la fierté de toute leur jolie famille recomposée. Yeah.